à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Aujourd'hui, dans notre discussion, nous allons analyser un phénomène qui ne finit pas de surprendre, surtout chez les jeunes. Il semblerait que la notion d'amour soit devenue une notion d'arrière-plan pour la plupart. Certains préféreraient prendre leur temps, s'amuser, vivre des expériences, être libre et multiplier les relations. D'autres chercheraient des partenaires qui sont détachés, qu'ils verront de temps en temps, avec qui ils s'entendront bien sexuellement, tout simplement. Alors, quelle perception ou conception les jeunes ont-ils de l'amour aujourd'hui et plus largement des relations d'amour? Quelle expérience font-ils de l'amour aujourd'hui? À l'ère des réseaux sociaux, peut-on encore parler d'amour sincère et passionné? Ce sont là les questions auxquelles mes invités et moi tenterons de trouver des réponses. Au cours de cette émission, nous allons suivre deux micro-trottoirs dans lesquels des jeunes se sont prononcés sur la notion qu'ils ont de l'amour éros et qui est le type d'amour sur lequel nous allons principalement échanger aujourd'hui. Ils y ont aussi parlé de la conception que la plupart des jeunes ont de l'amour aujourd'hui. Mais avant, voici mes invités du jour. Coach Magloire Agbenido, il est conseiller conjugal. Blandine Védomé, elle est communicante. Emmanuel Yayoun, il est le responsable national de la jeunesse de l'Église évangélique luthérienne du Togo. Casimir Cloutier, il est psychothérapeute de couple et responsable du cabinet de prise en charge psychosociale IALI, ex-cabinet La Famille. Ils sont les invités à ce numéro de Podium Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'être là. Comme je le disais tout à l'heure, au cours de cette émission, nous allons essentiellement parler de l'amour éros, qui se caractérise par une attirance physique et sexuelle et instinctive. Qu'est-ce que les jeunes en savent? Allons le découvrir dans ce premier micro-trottoir. Pour vous, c'est quoi l'amour? L'amour, pour moi, c'est un sentiment profond, passionné, sensuel et érotique. On définit d'habitude l'amour comme un fort sentiment d'attachement et d'affection que des personnes ressentent l'un envers l'autre. Et on dit aussi que ce type de sentiment est tellement intense que ces personnes qui le ressentent recherchent une proximité. Et c'est dans cette proximité-là, plus précisément proximité physique, que naît l'éros, ou en tout cas qu'on voit la dimension éros de l'amour. Et cette dimension-là a attrait plus précisément, comme le dit son nom éros, au désir sexuel, au désir lié à la chair, etc. Ce qui n'est pas en réalité mauvais, mais qui aujourd'hui, parce qu'elle est mal gérée, conduit beaucoup de jeunes dans des dépravations. Revenez avec nous, Blandine. Vous avez suivi le micro-trottoir. Que pensez-vous des définitions que les jeunes ont données de l'amour éros? Alors, ce sont des définitions que je partage également, parce que c'est déjà un fort sentiment. Incontrôlable ou pas? Souvent, non. Souvent, on essaie, mais on n'y arrive pas forcément. Donc, c'est vraiment cette affection qu'on a pour un être autre que soi et qui est très fort et nous amène souvent à perdre le contrôle, comme je dis. Donc oui, c'est un sentiment fort. Moi, je baserai vraiment la définition de l'amour sur un grand sentiment, un fort sentiment. Emmanuel. Ouais, je partage l'avis de Blandine et aussi de nos amis. Je pense aussi qu'il est fort, mais il vient en même temps cet aspect de raison. On a souvent tendance à perdre raison quand il y a ce sentiment. Donc, je définis l'amour comme un sentiment fort, mais en même temps raisonnable. Sentiment fort. Sentiment fort et raisonnable. J'ai besoin d'un troisième mot. Coach Agbenido, sentiment fort et raisonnable. Oui, non, je pense qu'il faut peut-être nuancer un peu. L'amour, ce n'est pas les sentiments. C'est deux choses différentes. Les sentiments viennent parce qu'on a apprécié quelque chose. Mais l'amour, c'est quand vous arrivez à l'engagement de rendre l'autre heureux.
C'est fait ça, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand vous vous laissez dans les sentiments, ça peut vous contrôler. Ça devient de la convoitise des fois. Vous êtes passionné, mais la passion a son temps. Et dès que ça s'arrête, tout s'arrête. Mais quand vous êtes engagé, c'est là où on va au-delà de ce qui nous attire, moi seulement. Mais c'est le désir maintenant de rendre l'autre heureux. Donc quand il n'y a pas cet élément dedans, ce n'est plus de l'amour, c'est de la convoitise. Le désir de rendre l'autre heureux. Mon quatrième mot avec Casimir. Merci beaucoup, madame. Merci à mes amis au plateau et à nos amis du micro-trottoir. L'amour, moi, je le mets beaucoup plus sous deux angles. Il y a le ressenti, qui est l'élément primaire, l'élément brut, qui est très difficile à contrôler des fois, à canaliser, surtout si on est un novice ou bien un débutant en la matière, ou si on est dans les tranches d'âge pubère. Maintenant, ce qui va rendre cet amour amour, mais ce qui va le rendre un peu plus complet, c'est le partage de projets. Je pense que c'est des dimensions que mon ami coach est en train de vouloir dire avec d'autres mots, peut-être que les miens. Je te vois ou bien je te sens, je t'écoute souvent. J'ai ce sentiment, cette sensation, cette affection, cette attirance qui ne dit pas son nom, mais que je n'arrive pas à contrôler de moi-même. Maintenant, le fait pour moi d'essayer de savoir qui tu es concrètement, de voir tes projets, tes ambitions, ton quotidien, ton fonctionnement, qui me permettra maintenant de savoir est-ce que c'est vraiment l'autre là qui m'attire, qui est dans mon plan, qui est donc le partage du projet qui sera nommé amour. Donc c'est dans les deux dimensions différentes là que moi je classe ou bien que je circonscris le concept amour. Dans le sens d'amour eros, bien sûr, comme vous l'avez si bien introduit. Merci. Un sentiment fort et raisonnable. Et s'engager pour le bonheur de l'autre. Voilà. Blandine, depuis 3 ans, vous faites des émissions spéciales lors de la célébration de la Saint-Valentin le 14 février. Donc vous avez eu à échanger avec beaucoup de jeunes. Est-ce que vous pourriez nous parler de la conception, de la perception que la plupart ont de l'amour éros aujourd'hui? Alors, ce sont des émissions qui allaient montrer combien est-ce que les partenaires se connaissent, ceux qui disent partager leur vie ensemble, qui sont déjà engagés ou pas, certains qui sont juste sur la voie de l'amitié, qui vont se découvrir. Donc, c'était vraiment pour voir combien est-ce qu'on fait attention à l'autre dans le couple, etc. Et dans les petits détails, même les moindres qu'on ne puisse imaginer. Alors, on est souvent surpris de voir que ces personnes font attention ou connaissent vraiment l'autre. Et selon la durée, vous verrez que les différents couples se démarquent selon le nombre de temps qu'ils ont eu à partager ensemble. Et ça fait bien de voir comment ces personnes se disent « Ok, je l'aime et je fais attention. » Ils finissent par se mettre à la place de cette personne-là. Du coup, leur perception de l'amour, c'est comme le coach le disait, pouvoir rendre l'autre heureux. Donc, à travers ces émissions, c'est ce que j'ai pu retenir. C'est combien il y en a qui étaient très amoureux en connaissant vraiment leur partenaire, en sachant quel acte est-ce qu'il aurait pu poser s'il était dans une telle ou une autre situation. Par contre, il y a d'autres qui étaient juste cantonnés sur le fait de pouvoir satisfaire son partenaire, pouvoir lui rapporter un peu de joie. Donc, c'était un peu ça sur toutes ces années, ce que j'ai pu voir de leur perception, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans leur façon de faire, dans leurs réponses, etc. Casimir, qu'est-ce que vous remarquez par rapport au comportement des jeunes en ce qui concerne l'amour éros et à leur conception, à leur engagement, voilà. Merci beaucoup, madame. Ce que je peux dire peut choquer, mais je suis tenu de le dire, c'est que les jeunes semblent ne pas avoir de perception propre à eux par rapport à l'amour. On dirait qu'ils sont balancés de part et d'autre par le courant de vent selon la température ambiante. Ils n'ont pas vraiment d'identité en termes quand on parle d'amour. Moi, je parle dans le contexte par rapport aux cas que moi je reçois à longueur de journée, par dizaines par jour, par centaines donc par semaine. Les jeunes semblent être vraiment déboussolés, très perdus, qui se donnent au ressenti brut, comme je l'ai défini tantôt, qu'ils ont dans un premier temps si on est un débutant. Et donc ils sont poussés de tout bout de vent ou bien ils voient des choses sur les médias, sur les réseaux sociaux, les conseils de parler d'autres, des amis et tout, ils s'y jettent
et ils s'en sortent victimisés, ils s'en sortent vraiment blessés, détruits, cassés. Pour ceux qui dépassent un peu cette couche-là, c'est ceux qui sont dans une dimension que je peux nommer des fois par vengeance ou qui sont davantage victimisés et donc qui font le tout au désirata de ce qu'ils ne peuvent même pas nommer. C'est-à-dire, on ne dirait pas une vengeance en soi, mais c'est la personne finalement, tu réalises en tant que spécialiste que la personne vit sans savoir pourquoi la personne vit elle-même, surtout nos jeunes. Ça dit que la personne te dit, grand frère, je l'aime, mais dis-moi, que ressens-tu concrètement? La personne est inapte de le dire, mais tu verras qu'elle, qu'elle est prête, cette fille ou ce jeune homme, par personne, est prête maintenant à mener une vie dans le sens sexuel avec 5-6 personnes à la fois, sans justification. Dans sur la même période? Sur la même période, je vous dis, madame, une même journée, je ne voudrais dire pas période d'ailleurs. Une même journée. Avoir 3-6 partenaires sexuels par jour. Ben, écoute, madame, je ne peux pas dire si ce serait peut-être exagéré, mais il n'est pas rare de rencontrer des jeunes qui me consultent mon cabinet, très souvent, qui accouchent avec deux personnes à la fois la même journée. Surtout nos jeunes filles qui sont dans les lycées. Désolé de le dire, moi je ne cache pas mes mots souvent quand je monte sur les plateaux. Surtout nos jeunes filles qui sont dans les lycées, elles sont prêtes, elles font du n'importe quoi que vous ne leur imaginez. Un vendredi soir, une jeune fille qui couche avec 3 personnes à la fois. Il revient après, mais grand frère, c'est celui-là que j'aime. Il passe souvent en vernaculaire, parce que je tentais de le dire. Ça dit que c'est celui-là que j'aime. D'accord, qu'est-ce qui démarque celui-ci de l'autre? Elle est inapte à le dire. L'autre jeune homme qui dit, je ressens, je sais que c'est avec l'autre que j'ai de l'attirance, mais celle-ci, non, ses fesses, non, c'est ça. Finalement, elles n'ont pas d'identité en termes de ressenti. Elles sont incapables de canaliser vraiment ce qu'on appelle le sentiment que nous pourrons tenter d'être tenté d'appeler amour. Donc, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de perception. Ils suivent tout bout devant, qui les pousse. Enfin, jusqu'alors, en termes de majorité. Il n'y a pas d'exception qui manque, il y a toujours des exceptions. Mais je parle en termes de la majorité que moi, je reçois au quotidien. Si je me base sur la synthèse, si je me base sur vos propos tout à l'heure, la synthèse que je peux en faire, c'est comme si les jeunes confondent l'amour au sexe. Oui, c'est ça justement. C'est ce que je ne voudrais pas dire, mais c'est ça exactement. Vous allez voir que j'ai défini l'amour, je n'ai pas mentionné le sexe. Le sexe, c'est peut-être... Le sexe, d'ailleurs, tout comme d'autres sources de jouissance dans la vie à deux, le sexe n'est qu'un élément. Donc le sexe peut-être vient en additif. Sauf qu'aujourd'hui, on semble renverser la tendance. J'ai couché avec elle, donc j'ai de l'attirance. Ou j'ai couché avec lui, donc je ne veux plus retourner en arrière pour qu'on me compte de partenaire sexuel. Mais quand même que tu continues de le faire ailleurs. Ou bien j'ai couché avec lui. Quand les jeunes aujourd'hui disent ils sont dans la troisième année de relation, elles ont commencé, ou bien ils ont commencé par compter du jus, ils ont fait le premier sexe. Alors qu'ils n'étaient même pas encore en relation. Je suis avec lui à 5 ans, mais en réalité, c'est 1 an, ils viennent juste de se connaître. Ils couchaient depuis 5 ans, en fait. Donc, en fait, les jeunes sont confondus à la sexualité. En termes d'amour, quand on parle d'amour, de ressenti, de relation, les jeunes sont confondus ou bien ils définissent ça par rapport au sexe. C'est pourquoi dans ma définition de l'amour, je me suis forcé à ne pas prononcer le mot sexuel. Les sorties sont aussi des éléments. Les sorties à deux, les activités communes, le partage des centres d'intérêt, les cours, les révisions ensemble, ça fait partie des éléments de jouissance dans le couple. Le couple à entendre sous l'angle de deux personnes de sexe opposé, à nuancer bien sûr, qui sont ensemble. Donc le sexe n'est qu'un élément. Si vous tirez votre satisfaction, votre plaisir à deux par le sexe, veillez juste à ce que vous ayez l'âge ou bien les moyens pour le faire. À défaut, vous pourrez tirer vos satisfactions d'autres éléments, notamment les activités communes, les activités ludiques et tout. Mais les jeunes semblent transformer le sexe ou bien la pratique sexuelle elle-même à l'amour, à la relation. Malheureusement, ce que je voudrais préciser dessus, c'est que justement, tant que le sexe rentre en jeu, il est très compliqué de faire la part des choses. Même en étant adulte, vous ne ressentez rien pour cette personne. Même le simple fait de vous avoir, d'avoir offert votre intimité à cette personne, vous sera difficile de faire la part des choses, de savoir, de pouvoir jauger désormais. Vous ressentez réellement pour la personne. Voilà, pour la personne, et faire la part des choses. Merci beaucoup, voilà. Casimir. Yayoun, votre regard sur la conception des jeunes aujourd'hui? Oui, je suis un peu avec les jeunes en tant que président de jeunes et tout. Je suis tenté de dire que quand on parle d'amour, les jeunes s'attendent plutôt à recevoir. C'est-à-dire, je m'attends à recevoir quelque chose de mon partenaire. Donc, c'est quand je reçois, alors que le coach vient bien de le définir, on est prêt à rendre heureux. À s'engager pour le bonheur de l'autre. Donc, on est plus dans cette posture-là de réception que normalement on devait donner. Et donc ça fait qu'on est en train de mélanger les choses et on renverse les rôles. Et donc dans cette posture de vouloir recevoir, quand tu ne reçois,
quand tu ne reçois pas pardon, tu tombes dans l'imaginaire. Mmh. Et tu commences par te dire, non, cette personne-là n'est pas la bonne, et ce n'est pas la réelle personne pour moi. Et en même temps, tu es en train de perdre peut-être quelqu'un de meilleur. Mmh. Mais donc, quand tu t'attends à donner, si je veux me permettre d'aller un peu plus fort, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'amour éros sans vraiment le baser sur l'agapé. Quand l'éros juste est en train de planer dans votre tête, vous êtes susceptible d'être irrécupérable. Mais quand l'agapé est là et l'éros s'agrippe à lui ou à elle, vous allez pouvoir être raisonnable. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis. Merci beaucoup. Peut-être que ça vous surprendrait. On parle de couple. Je ne parle pas de couple forcément marié. Quand les deux sont ensemble pour un bout de temps, c'est un couple. Même à l'école primaire, moi, je remarque des choses comme ça. Des enfants qui, déjà au CE1, commencent à se mettre en couple. Oui. C'est mon petit ami, c'est ma petite amie. C'est vrai, la plupart du temps, les parents ne sont pas au courant. Coach Agbenido, votre regard sur la conception que les jeunes ont de l'amour, Eros en particulier, je suis précise. Non, il faut dire que nous avons trois catégories de jeunes. Il y a la première catégorie de jeunes qui ne croient pas à l'amour. Qui n'est plus possible d'aimer. Pour eux, là, c'est mon passé. L'amour n'existe plus. Justement. Mmh. Soit parce qu'ils ont été victimes de quelque chose. Exactement. Ils ont vu des choses qui les ont blessés. Et ils ne croient pas. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Et généralement, ces gens sont dans la catégorie de vengeance. Quand ils tombent sur toi. Dans la catégorie de vengeance. Voilà. Ils veulent te prouver. Mmh. Ils peuvent coucher avec, puisque nous sommes dans Eros. Mmh. Ils couchent avec toi sans mettre le cœur. Sans sentiment. Justement. Mmh. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment te prouver qu'ils t'aiment. En fait, être là pour que tu avances. Mais c'est juste abuser de toi, profiter de toi. Mmh. Alors, la deuxième catégorie, c'est les jeunes qui savent que l'amour existe, mais ils font très attention parce qu'ils ne veulent pas tomber dans ça. Soit quelqu'un à côté est tombé dedans, ça fait mal, donc ils ont peur. Et l'autre catégorie, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est les gens qui croient vraiment, ils sont fous. Ce qu'on appelle les coups de foudre, tout ça, ça rentre dedans. C'est les romantiques, ça. Justement. Mmh. Eux, là, quand tu les vois même là, c'est vraiment ça. Ils sont tellement dedans, à fond. Et généralement, c'est eux qui, quand ça ne marche pas, ils sont victimes de choses, ils sont prêts même à mourir, à se suicider pour ça. Donc, voilà un peu. Donc, la perception dépend de la catégorie, de l'expérience que la personne a eue. Et donc, nous avons différents jeunes comme ça qui ont des perceptions qui dépendent de ce qu'ils ont vécu, des choses qu'ils ont vues, ou des choses qu'ils vivent aussi, mais également des choses qu'ils pensent pouvoir vivre avec l'amour. Au travers de. Donc, ce qui fait que leur approche, leur approche du sexe dépend également de tout ça. Il y a des gens qui sont prêts à se donner juste pour. Parce qu'ils croient que l'amour existe et en donnant mon corps, je vais lui prouver que je l'aime. Mm-hmm. Donc, ils sont prêts à coucher avec. Si aujourd'hui, il te voit et que tu lui plais, bon, il va coucher avec toi. C'est ce que les garçons ont l'habitude de raconter aux filles, non ? Si tu m'aimes, pourquoi tu ne veux pas coucher avec moi ? Non, justement, c'est ça. Il faut comprendre que l'homme il se sent aimé. Quand tu lui donnes ton corps, c'est comme ça l'homme fonctionne dans la tête. L'homme de manière générale, naturellement, c'est comme ça. C'est pour ça que des fois, l'homme peut coucher avec toi et après te dire que je ne t'aime pas. Parce que ce qu'il voulait, il n'a pas trouvé. Mais la femme, avant que la femme te donne son corps... Elle réfléchit. Non, c'est que son cœur est déjà là. Donc quand une fille couche avec toi, c'est qu'au fond d'elle, elle pense que tu es la bonne personne pour moi. Ça fait ça, naturellement. Mais il y a des exceptions. Mais donc jusqu'à quand les filles comprendront que tous les hommes, Yayou ne rit pas, que tous les hommes avec qui elles couchent ne les aiment pas de la même manière. D'abord, c'est que les femmes pensent que les hommes sont comme elles. C'est ça l'erreur. Il y a des exceptions. Oui, ceux qui ont l'information. Celles qui ont l'information. Comme moi, par exemple. Justement. Et aussi l'éducation. Parce qu'on t'a dit que le sexe ne suffit pas pour garantir le succès dans un mariage. J'ai l'habitude de le dire, si le sexe faisait réussir un mariage, on n'a pas de filles à des cons. Excusez-moi le terme. Parce qu'elles le font tous les jours. Donc le sexe ne suffit pas pour garantir le succès dans un mariage. Et des gens comme ça qui ont l'information savent qu'on ne met pas le sexe devant. On vient dans un projet de mariage pour réussir ensemble. Le sexe n'est qu'un complément pour entretenir cette intimité que vous avez. Voilà, ce n'est pas le premier élément. Donc quand la personne a cette information, elle se préserve de faire des choses comme ça. Donc c'est comme si les jeunes mettaient la charrue. Donc Yayoun, vous êtes en train d'organiser, l'événement est en cours, vous organisez un événement pour les jeunes de votre église Oui. et qui va durer tout le long de ce mois, c'est ça? Oui, nous,
nous le faisons en deux temps. Déjà, le 14, on a fait. Et le 28, on aura encore une autre session où on a parlé d'abord de manière générale de l'amour. Maintenant, on veut toucher l'aspect spirituel. Parce qu'en même temps, l'éros, on ne le sait pas, mais après, derrière, il y a le spirituel. Si on ne s'y prend pas bien, on a des répercussions qui peuvent même t'entraîner jusqu'à la mort. C'est vrai que de pas par le passé, rares sont les églises qui organisent des événements, surtout dans le sillage de la Saint-Valentin, à l'endroit de leurs jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement? C'est comme la question qu'on vient de poser. De part avant, c'était difficile d'en parler. Mais maintenant, on commence par faire un constat. La sexualité n'est plus un tabou. Si en toi, en tant que pasteur, tu prends la sexualité comme tabou, tu n'auras plus de jeunes dans ton église. Il faut aller discuter face à face, quatre sur table avec les jeunes. Et donc, quand tu touches du doigt les choses, tu comprendras que non, en fait, je dois discuter de ce sujet-là. Parce qu'en même temps, dans le groupe musical, il y a les gens qui le font. Dans la chorale, il y a les gens qui le font. Donc, il vaut mieux plutôt parler de ça, les enseigner sur ça et savoir que non, mes jeunes sont déjà adultes. Est-ce qu'ils étaient à l'aise à en parler avec vous? Oui. Ou c'était à mots couverts? Non. Je dirais plutôt que j'ai adopté une tactique. Je suis fils de pasteur, donc le papa étant président, je lui ai dit aujourd'hui, nous ne te voulons pas à l'église. À la réunion. Oui, à la réunion des jeunes aujourd'hui. Sa présence va les stresser. Oui, le plus souvent, la présence stresse parce que c'est lui le numéro un. Oui. C'est même s'il y a d'autres pasteurs, c'est lui le numéro un. Donc, on sait que c'est le père. Donc, j'ai dit non, papa, aujourd'hui, nous voulons rester entre nous. Et lui-même me connaissant, il a dit oui, il n'y a pas de souci, je te donne feu vert. Et d'ailleurs, même, je suis d'accord avec toi, je prie pour que ça marche. Parce que si le pasteur est là, ça ne marche Comment pas. Comment ça s'est passé? Parler de sexe avec les jeunes à l'église? C'était waouh. Okay. Parce que les jeunes se sont laissés aller et ont dit tout ce qu'ils pensaient. Parce que quand ils ne le disent pas, ils pensent souvent qu'ils sont dans la bonne posture. Mais quand ils ont commencé par parler, ils se sont rendus compte que non, en fait, je suis en train de dérailler. Là où je suis en train d'aller, ça ne me permettra pas de pouvoir arriver à avoir un couple épanoui ou une famille équilibrée. Donc, ils se sont mis à cœur de pouvoir le dire. Et même, on a établi un mot d'ordre, on parle sans tabou. Okay. Et donc, les jeunes se sont laissés aller. Dieu merci. Casimir, nous avons une question déjà qui nous vient de Avatame Plateau. C'est à votre endroit. Est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'amour éros tout en mettant à part l'argent? Merci beaucoup pour la question. Je ne veux pas aller directement dans le sens de l'argent, mais je vais essayer de symboliser l'argent par les biens. D'accord? Disons la vérité en face à face. La chaleur du lit ne chauffe pas la marmite. Ça reste une réalité. La chaleur du lit? Du lit ne chauffe pas la marmite. Si vous n'avez pas les moyens pour faire relation, c'est pourquoi je ne voudrais pas aller mot à mot de ces mots. Je veux plutôt parler de relation et non d'amour. Okay. On peut être amoureux sans jamais faire de relation. Donc, si on est seul dans son corps, on a ses ressentis, on partage proche de quelqu'un qui est très loin, très distant de soi, il n'y a pas besoin d'argent, de moyens matériels, soit-il. On vit seul. Maintenant, je veux parler en termes de relation. Je voudrais sûrement parler de relation. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un, est-ce que ça peut se faire, ça peut réussir sans argent? Bon, je vais parler de termes de moyens, comme je l'ai dit. Donc, il faut qu'il y ait au moins le minimum. Mais ce que moi, je voudrais défendre en ça, c'est qu'il ne faut pas que ce minimum soit totalement attendu de l'autre. Si on conçoit qu'on a besoin, ou bien on admet qu'on a besoin du minimum, et qu'on le conçoit, qu'on pourra le chercher ensemble, mieux vaut aller dans ce sens. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous pousse à choisir quelqu'un qui ne pourra pas vous prendre en charge? Mieux vaut ne pas mettre votre nez si vous savez que vous avez besoin d'argent pour vous prendre en charge. Pour votre soin, vous avez besoin de manger ceci. Mieux vaut ne pas aller. Ce n'est pas comme avant où les hommes, les femmes sont rares ou bien les hommes sont rares. Aujourd'hui, il y en a plein. Mieux vaut faire un choix judicieux en même temps pour ne plus souffrir inutilement. Les gens qui viennent dire, oh, il ne me prend pas soin de moi, il ne me donne rien, c'est la dimension de partage, de projet, ça. Est-ce que vous l'aviez étudié au départ pour savoir s'il n'avait pas vraiment de moyens, s'il vous mentait? Est-ce que vous l'avez étudié en amont pour vous assurer si ce n'est pas un pingre ou bien si ce n'est pas une fille qui va seulement faire le show avec les biens de ses parents? Donc la réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, comme de tout temps d'ailleurs, il était impossible de faire une relation sans moyens. Il a toujours été considéré pourquoi les parents choisissaient les hommes par rapport à la validité physique pour travailler dans le champ. C'est pour la leur fille? Bien sûr. Dans le temps, on donnait, avant de donner votre fille à un homme, il faut qu'il soit robuste pour pouvoir travailler. Ça a toujours été comme ça. Les parents ont toujours vécu sur le blanc des hommes. Donc, il a toujours été question de moyens, pas seulement d'argent. Dans le temps, ce n'était pas forcément l'argent pécunier, mais ça a toujours été question de moyens. Donc, faites plutôt des choix de manière judicieuse
pour ne pas vous mettre à pleurnicher sur les choses qui ne valaient même pas. Merci beaucoup. Je voudrais que nous revenions sur ce point, la multiplication des partenaires aujourd'hui. C'est vrai que pour les jeunes, c'est un plaisir, c'est un amusement, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent hypothéquer leur avenir conjugal par ce comportement-là, Blandine. Bien sûr. Avec. À quoi cela est-il dû d'ailleurs ? Mais je pense qu'aujourd'hui, on fait face à un couteau à double tranchant, qui est cette façon qu'on a, ou cette liberté qu'on a aujourd'hui de pouvoir penser, de partager sa pensée, et qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément vives d'esprit, qui se laissent aussi aller. Alors, la parole est assez libérée de nos jours, et on adopte des façons de faire qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, je parle là de ce qu'on appelle le phénomène hein, sex friend, ce qui est de plus en plus répandu. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec... comme je dis, cette liberté d'expression, je vais vraiment mettre ça entre griffes. Et on se dit, OK, c'est in, on est branché d'avoir plusieurs partenaires ou de ne pas être engagé, mais plutôt d'avoir des relations sexuelles avec X, Y ou Z personnes, juste pour le feeling, parce que je ne veux pas d'engagement. C'est ce qui se fait, c'est bien de le faire, donc je suis. Mais où sont passées nos valeurs? Où sont passées ce qu'on nous a appris ou bien ce qu'on s'efforce à nous apprendre, nous, en tant que jeunes, dans nos maisons, ces façons que nous avons de faire? Et même au-delà de ça, quels sont les risques que nous courons derrière ces multiples relations? Et une, deux, trois relations à gauche et à droite, finalement, on est dispersé. Qu'est-ce qu'on fera de sa vie quand on n'aura plus ses 30 ans? Qu'est-ce qu'on fera de sa vie quand on n'aura plus ses 45? Je pense qu'on ne pense pas tout de suite, mais on est plutôt branché. On suit ce qui se fait aveuglément. Voilà, et après, les répercussions sont nombreuses. Nombreuses. Coach Agonido. Oui, je voulais d'abord dire que les gens comprennent très bien. L'homme, ce n'est pas seulement le corps. C'est un corps, c'est une âme, c'est un esprit. Donc, quand vous rentrez en intimité avec quelqu'un, vous partagez tout ce que vous êtes là. Corps, âme et esprit. Avec la personne. Donc, quand vous couchez avec quelqu'un, cette mémoire reste en vous. Même si vous êtes marié, vous, après, vous n'avez rien fait. Vous vous mariez là. Cet acte-là, ça ne quitte pas. Ça reste là. Donc, ça veut dire que vous avez introduit quelque chose en vous. Et demain, cette chose-là ne va continuer pas à gangréner votre vie. Alors, ça, c'est un. Sur le côté émotionnel, où la personne couche, et que cette personne, qu'elle pensait pouvoir aimer, ça n'a pas marché, c'est une blessure qui reste. Et cette blessure-là fait que des fois, on a des comportements, des attitudes qui détruisent des fois nos propres couples. Parce que tu es en train de mettre la pression sur l'autre, sur des choses, par rapport aux choses qu'il ne peut pas faire. Mais dans l'autre chose, sur le corps, nous avons beaucoup de choses, des cellules et tout ça. Vous couchez avec quelqu'un, les corps rentrent l'un dans l'autre, ce qui va se passer, c'est des maladies, c'est des problèmes que vous prenez. Et maintenant, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont très chargés spirituellement. Donc, quand vous couchez avec un, deux, trois personnes, vous ouvrez votre vie à beaucoup de choses. Donc, ça, les jeunes doivent comprendre ça. Et savoir que ce n'est pas la bonne direction. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, comme elle a dit tout à l'heure, parce qu'ils pensaient que c'est comme ça. Tu as vu grand frère à la maison qui vient avec des filles. Papa n'a rien dit. Quand tu grandis, tu penses que c'est la norme. Sans poser la question, mais les gens qui ont vécu des choses comme ça, comment est-ce qu'ils vivent dans leur couple? Qu'est-ce qui se passe? Donc, des fois, on n'est pas informé sur la réalité de ces gens-là. On voit juste le côté que les gens nous montrent. Mais les conséquences, on ne les connaît pas. Et donc, on pense que c'est la norme. Et aujourd'hui, avec la facilité que nous avons dans nos chambres, dans nos maisons, on a les portables qui nous donnent des informations. De se connecter justement, très facilement. On pense que c'est comme ça la vie doit se vivre. Et donc, on se laisse aller. Et moi, je voulais dire que ce n'est pas la bonne façon de vivre. Il y a plein de choses. Parce que des fois, on ne voit pas tout de suite les conséquences, mais c'est après qu'on rentre dedans, on se rend compte qu'on a vraiment perdu. Et nous, les hommes, il faut le dire, hein, quand je sais que cette fille a couché avec toi, garçon, c'est compliqué pour moi d'aller là-bas. Ça, beaucoup de filles ne le savent pas. Elles ne savent pas. C'est compliqué pour vous d'aller là-bas. Pour les garçons. Mais, le contraire, on le trouve chez certains. Ils vont plutôt auprès des filles ou les garçons ont la facilité d'aller. Non, tu sais ce qui se passe. Non. Quand vous discutez avec des gens, parce que je les reçois, quand vous discutez avec des gens là, généralement, quand ils vont là-bas, ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour le foyer. C'est juste pour coucher. S'amuser. Justement. Donc, vous voyez, vous détruisez votre vie, en fait. Quand vous êtes une fille, que vous faites ça,
ou un jeune qui, quand vous faites ça, vous détruisez votre vie. Vous allez dans des vies des gens qui déjà ont beaucoup de charges, beaucoup de problèmes spirituels et tout ça. Et vous aussi, vous faites maintenant partie de ces problèmes, de ces gens-là. Et donc, quand vous voulez passer toute votre vie à vous amuser, mais ce qui est sûr, vous n'allez rien construire de la vie. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Casimir, oui. Excusez-moi, oui. Vraiment, si vous permettez. Comme vous l'avez décrit, coach, on a juste comme l'impression que ça ne profite pas qu'aux jeunes filles. Parce que les hommes, OK, on les met sous cette étiquette de chasseur que nous, sous Glegbe, nous, c'est comme ça qu'on dit en Mina. C'est vous. Enfin, en Fongbe, pardon. En Fongbe, c'est-à-dire l'homme chasseur. Donc, on a comme l'impression que le problème, ce n'est qu'avec les jeunes filles, alors que par la suite, il y a des choses, comme vous avez touché au point spirituel, à certains moments de votre vie, il y a des choses qui ne font pas. Il y a des portes qui sont bloquées pour vous en tant qu'homme. Mais juste pour ramener l'idée des gens là-dessus, des jeunes hommes aussi là-dessus, parce que je pense que quand tout homme, tout jeune homme, comme toute jeune fille, se préserverait son corps, donnerait cette richesse ou cette, comment je vais dire, asihoho, cette valeur, merci, à son corps, on sera quand même épargné de beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la charge pèse plus sur les jeunes filles. Pendant ce temps, les jeunes hommes, eux aussi, ne se rangent pas. Et là, le travail devient beaucoup plus difficile pour nous en tant que... Oui, dans ma position de jeune fille, c'est le ressenti, en fait. Donc, voilà. Parole aussi aux jeunes hommes aussi. Enfin, totalement d'accord. Gardons la totalement braquette. D'accord. Non, avant de, totalement d'accord. Avant de revenir, d'aller vers Casimir, je donne la parole à Emmanuel. Vous souriez tout à l'heure. Non, mais c'est tout à fait normal. Hein. Quand vous multipliez les choses, vous multipliez les esprits. Et quand vous multipliez les esprits, tu ne sais pas la charge spirituelle de l'autre. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la plupart qui le font sont dans les... ignorent les conséquences, en fait? Oui, c'est le comble. En discutant aujourd'hui avec les jeunes, c'est la conclusion qu'on a tirée. C'est le comble. Ils ne savent pas. Il y a un message qui me dit, lorsqu'on va dans une boutique pour acheter des chaussures, on essaie une, deux... avant de trouver la meilleure à ses pieds, que c'est la même chose. C'est grave. Parce que je prends pour modèle Adam et Ève. Adam n'a pas essayé Ève d'abord avant de dire c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc je pense plutôt... On vous parlerait de l'Antiquité. Non. On vous parlerait du début du monde. Oui. Il n'y avait qu'une seule Ève. Non, peut-être ce qu'il faut expliquer aux gens. Comme je l'ai dit, le sexe, ça s'apprend. C'est l'information que les gens n'avaient pas. Moi, dans mon école, quand on vous accompagne en tant que fiancé et vous voulez vous marier, on vous prend, on vous explique. La femme, le corps de la femme fonctionne différemment par rapport au corps de l'homme. Alors, quand vous êtes dans votre intimité, comment ça se passe? On vous explique. Alors, par exemple, il y a des gens aujourd'hui, on a écouté tout récemment que des gens ont bu le Viagra là parce qu'ils voulaient faire beaucoup de coups, comme on le dit. Et ils sont morts. Parce que les gens ne savent pas que le sexe, c'est un art, ça s'apprend. Donc, on n'a pas besoin de tester quelqu'un. Maintenant, si on testait toi, ta maman, là, est-ce que tu vas accepter? Quelqu'un te prend pour te dire, ta maman, là, il y a 50 hommes qui l'ont testé. Est-ce que ça, là, c'est bon pour toi? C'est pas honorable. Justement, si tu ne peux pas écouter ça, ne permets pas que ce soit la fille d'autrui qu'on teste. C'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, parce que les gens n'ont pas la bonne information. Et aujourd'hui, je veux dire à ceux qui nous regardent, quand vous êtes dans une relation... préservez-vous. Et le sexe, là, ça s'apprend. Maintenant, il peut dire comment je vais savoir s'il fonctionne. On a des gynécologues. Allez vous faire des analyses. Tout ça, aujourd'hui, on a des informations. Merci, coach Aguindo. Casimir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on perd de vue? Les filles, pas les filles, les jeunes qui multiplient les relations. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a une raison cachée que nous ne dévoilons pas, dont nous ne parlons pas ici, mais qui est quand même une réalité que cette frange de la population vit? Merci beaucoup, madame. Je pense que le problème plus profond que nous ne semblons l'aborder, ces jeunes n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Dans leur tête. Dans leur tête. Ça dit pour quelqu'un qui veut coucher avec 5 hommes différents au cours de cette semaine, pour un jeune homme qui compte coucher avec 5 filles par classe dans son école, vous lui dites que spiritualité, le gars ne vous regarde pas. La jeune fille ne vous regarde pas. Ce n'est pas qu'il ne savait pas, il savait. Je pense que, vous m'excusez, je ne voudrais pas intervenir sur la dimension spirituelle parce que je suis mal placé
pour ça. Okay. Ce n'est pas mon domaine. Un, et puis de deux, nous avons les gens plus éclairés sur leur dimension là parmi nous. Je crois que Emmanuel... Ils sont d'ailleurs en train de le dire, je pense bien. La dimension supérieure, je ne peux pas intervenir dessus, mais de manière scientifique, ce que je peux confirmer, c'est que quand vous... D'ailleurs, je vais aller par un exemple. Quand vous êtes très timide et que vous vous mettez en relation avec quelqu'un qui est très brutal, vous allez voir que de plus en plus, vous allez voir que vous avez la tendance à devenir brutal aussi. Mmh. Ou que si vous êtes très brutal et que vous vous faites relation avec une personne timide, si la personne timide a de l'influence interne sur vous, vous allez voir que de plus en plus, vous allez devenir tempéré. Donc, ça voudrait dire que les gens pourraient comprendre facilement que par là, il y a un échange forcément qui se passe. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le message prouve ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes savent tout, mais ont fait un choix délibéré. La raison en dessous est très divergente, c'est que d'abord, il y a beaucoup, beaucoup qui sont déçus de ce qu'on appelle relation, vie à deux, vie de couple. Beaucoup sont déçus, soit par leur expérience personnelle, soit par ce qu'ils entendent dire ou ce qu'ils voient faire. Ce qui se passe dans leur famille, dans leur environnement. Nous sommes dans l'ère de l'infobésité. Il y a trop d'informations qu'il faut vraiment une acuité très pointue, très élevée, pour faire une sélection, pour pouvoir s'en sortir. Donc ces jeunes sont en fait victimes de notre ère, de notre situation actuelle. Donc ça, c'est un côté. De deux, je vais encore retourner sur le spirituel, entre guillemets. Aujourd'hui, ces jeunes sont le plus retrouvés où? Dans les églises. Les dimanches, chaque dimanche, ils y sont. Mais comment est-ce que ces responsables religieux font le règlement des situations? Prions. Comment ils font? Prions. La personne a des ressentis qui sont naturels. L'instinct est là, l'âge est là. La personne fait ce qui, entre guillemets, c'est désordre. Mmh. Le parent, au lieu de faire une approche scientifique, de faire une résolution pérenne de la chose, pim, il va le saboter au pasteur. Le pasteur vient, il crie, prions au nom de Jésus. Ça ne résout rien. Vous m'excusez les termes si choquants que j'utilise. Ça ne résout, ça va rien résoudre. Parce que le naturel, le chasseur reviendra toujours au galop. Et vous venez de dire qu'il faut qu'on traite le problème à chaque niveau. Il faut que le problème soit traité de manière... On traite le domaine physique, émotionnel. Exactement. Et après, on traite exactement le spirituel. La personne est en train de fuguer. La jeune fille a 5-6 partenaires dehors. Vous n'avez pu voir qu'un seul partenaire. Vous criez que votre fille, malgré qu'elle est dans groupe musical, elle est dans chorale, elle fait relation sexuelle. La fille vient de coucher avec 5 personnes au cours de la semaine. Vous ne savez pas. Vous allez chez le pasteur pour révéler quelque chose là-bas. Allez chez ceux qui sont censés faire une réception méthodique de sa situation, il va vous révéler d'autres choses. D'ailleurs, peut-être même que c'est l'une de ses copines qui a été déçue et elle fait vengeance à sa place. Mmh. Ces fonctionnements existent. Ou bien peut-être parce qu'elle aimait un garde de son école qui est en train de sortir avec quelqu'un d'autre. Donc elle vous m'avez dit qu'il faut que l'Église fasse attention quand même au côté psychologique du problème. Si je vais peut-être psychologique, ils vont croire que c'est trop élevé. On se connaît. Comment c'est trop élevé? On se connaît. On chacun se connaît. Avec son domaine. Ils vont dire non? Que c'est trop diabolique, c'est trop philosophique. On se connaît. Non, on traite. Aujourd'hui, moi, je connais des hommes de Dieu qui prient surtout pour les personnes dépressives, mais qui ont finalement compris qu'il faut qu'on les amène voir des psychiatres. Ils sont très rares, madame. Je travaille avec plus mais de 10 églises. Mais ils abondent de plus en plus. Prions dans ce sens. Ce que je voudrais conclure. Ce que je voudrais conclure dans ce sens, c'est que les églises font un grand travail, avouons-le, sur le plan surtout moral. Maintenant, il faut qu'ils permettent à ce qu'il y ait, s'ils n'ont pas de compétences, il faut qu'ils permettent à ce qu'il y ait des spécialistes qui passent, du moins pour offrir des séances d'écoute à des jeunes filles qui ont déjà vu comment les choses se font sur les réseaux, qui ne brûlent que de d'essayer. Mais beaucoup d'hommes de Dieu aussi se font former en relation d'aide. Ça les aide vraiment. Ils ont même plein à diverger les filles dans l'église aussi. Pas tous. Doucement. Il y a des exceptions, Casimir. Ils si sont tu pleins. Le permets. Madame, ils sont pleins. Si tu le permets, nous allons suivre la deuxième ils partie de notre micro-trottoir et je reviendrai à toi tout à l'heure. On y va. Selon vous, quelle conception les jeunes ont-ils de l'amour aujourd'hui? Je vais dire qu'il y a une division et une division qui s'oppose parce qu'il y a certains qui croient et d'autres qui ne croient pas. Pourquoi? Parce que ceux qui croient, c'est plus ceux qui sont réservés et qui ne veulent pas faire l'expérience ou qui attendent. Ceux qui n'y croient pas, c'est plus ceux qui se sont aventurés bientôt et ils ont vécu des expériences négatives. Du coup, ils se retournent et ils partent plutôt vers le côté érotique, le sensuel, plus vers le plaisir. On ne privilégie plus l'amour. L'amour, c'est on s'en fout, carrément. Je crois encore à la vie de couple. Je trouve qu'il ne faut pas se hâter à faire une conclusion sans vraiment expérimenter ce que c'est. Les jeunes pensent aujourd'hui que l'amour, c'est un sentiment qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils ne peuvent pas, du moins, même si ce n'est pas contrôlé, qu'ils ne peuvent pas raisonner.
Or, lorsqu'on ne raisonne pas les sentiments, il faut voir un peu là où on peut aller avec. Et ces jeunes-là sont victimes de cette conception-là de l'amour en tant que un sentiment qu'on ne peut pas réellement raisonner. Or, en raisonnant ce sentiment-là, quand on ressent, on voit s'il est passager, il va vers une certaine durabilité. Parce que c'est cette nouvelle conception-là, d'ailleurs, que nous essayons de promouvoir dans la Love Academy, faisant comprendre que l'amour, au-delà d'un sentiment, est un état de l'esprit. Et lorsque vous vous retrouvez dans un état d'esprit tout de suite, sans le vouloir, en face de quelqu'un, vous devez apprendre à raisonner cet état d'esprit. C'est naturel de ressentir un désir sexuel. Lorsque vous raisonnez le sentiment, vous comprenez que c'est un désir qui est lié à la chair, c'est tout à fait naturel. Et là, vous essayez d'orienter ce désir-là dans quelque chose de plus concret. Parfois, lorsqu'on raisonne très bien, on se rend compte que c'est parce qu'on a des penchants liés à certains attraits physiques qu'on développe ce type d'amour. Et l'expérience que moi je fais aujourd'hui, c'est que quand j'ai rencontré ma fiancée, je lui ai dit à un moment donné que tu n'es pas la femme que j'aime. Mais elle a été choquée. J'ai dit, mais je n'ai pas fini ma phrase. Mais je dis, tu es la femme dont j'ai besoin. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des déceptions qui m'ont fait penser, réfléchir beaucoup à ce type de sentiment où j'ai vu que c'est d'ailleurs, l'erreur, c'est un sentiment qui ne dure pas. Après, ces envies, ces désirs-là disparaissent lorsque vous grandissez, la forme physique change et tous ces trucs-là. Et on désire encore d'autres personnes. Donc, je me suis dit que c'est de l'arnaque. Donc, il faudrait aller plus loin. Et c'est là où je comprends que j'ai fait le choix, par exemple, d'une femme qui répond plutôt à ma vision, qui répond plutôt à ce que je veux réaliser dans ma vie. Les jeunes doivent avoir foi à la vie de couple, parce que les couples sont le fondement du développement d'un pays. Lorsque les relations humaines, surtout couples, entre les relations conjugales, n'évoluent pas, ça porte atteinte aussi au développement. Nous venons de suivre la deuxième partie de notre micro-trottoir. Emmanuel, qu'est-ce que vous avez pu retenir des propos de nos jeunes par rapport à la conception qu'ils ont de l'amour aujourd'hui? Oui, c'est déplorable, mais comme la jeune venait de le dire, c'est plus penchant en relation, c'est-à-dire rapport sensuel. Et j'ai aimé la conclusion de notre coach, je crois qu'il est coach. Amal. Quand on n'est pas équilibré au niveau de nos couples, ça a des répercussions sur le développement. Sur la société. Et donc, c'est là, ça me ramène encore à ce débat-là qu'on était en train de faire avant la page publicité. Non, avant le premier micro-trottoir. Le micro-trottoir, pardon. Mmh. Il faudrait plutôt que nous, aujourd'hui, on apprenne à guérir de nos blessures. Mmh. Parce que le mal est plus profond qu'on ne le pense. Les gens ont vécu dans des foyers où c'était comme ça. Et donc, si c'était comme ça, il ne fait que répéter ça. Ou il a vécu dans un foyer où on maltraitait les femmes, ou il a vécu dans un foyer où on maltraitait les hommes. Et donc, il se dit, bon, aujourd'hui que j'ai la possibilité de le faire, je rends la pièce de la monnaie. Donc, on doit aller beaucoup plus en profondeur et aller jusqu'à cette relation d'aide-là avec nos fidèles ou avec nos amis. En ce qui concerne les églises, nous avons reçu des centaines de messages. La plupart pensent que les filles et les garçons, à la fois, multiplient les relations à cause du matériel. Que c'est la pauvreté, c'est le besoin. Blandine, Ils n'ont pas faux. Parce que de plus en plus aujourd'hui, sur ce sujet, je pense que les jeunes filles sont beaucoup plus indexées là-dessus. Et c'est la réalité. Disons-nous, ce qui est, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup qui vont se mettre avec un homme parce qu'il peut me donner ça. Parce qu'il a telle situation, parce que ma mère m'a dit à la maison de ramener un homme en situation stable. C'est ce qui est. Et vous allez voir une jeune fille, ok, enfin, pourquoi tu es en relation avec tel homme? Ah, il travaille ici, il peut m'offrir ça, il peut m'offrir ci, il est donc bien placé. Donc en fait, l'amour n'est plus promu. Non, aujourd'hui, on attend beaucoup de l'autre, on attend beaucoup. Au lieu de donner. Voilà, au lieu de donner. Merci beaucoup. Rapidement, nous avons quelques minutes. Coach Agbenido, comment amener les jeunes aujourd'hui à construire les couples de demain? Alors, je pense que notre ami qui a parlé tout à l'heure a dit l'essentiel. Un, il faut d'abord les amener à avoir un objectif dans la vie. Un objectif dans la vie. Je vais faire ceci avec ma vie. C'est ça qui vous permet de ne pas vous mettre dans des choses qui vont détruit votre relation. D'accord, votre merci beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est de les former. Il faut les former. Les permettre d'avoir la bonne information. Quand on dit amour, là,
qu'est-ce que c'est? Ils ont besoin d'information et de formation. Voilà. Merci beaucoup, Casimir. Je pense principalement que le travail incombe à nous autres qui avons une clairvoyance sur le sujet et parents, et nous les parents. Malheureusement que nous en sommes aussi des victimes, malheureusement. Les parents? Oui, oui, oui. Ils sont pleins. Donc, ces jeunes, moi, je pense, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ils ont besoin de la bonne information. Ils l'ont. Ils savent là où les trouver. Maintenant, ces jeunes ont des besoins dissimulés. Il y a des choses très enfouies en eux, que nous, les adultes, nous, les personnes qui sommes censées les aider, sommes tenus de nous intéresser à eux. À tel point de ressortir le nœud du problème pour éviter de faire résoudre une situation superficielle. Communiquer avec les enfants, les jeunes. Il y a une? Ouais, moi, je pense personnellement que c'est la connaissance de soi. Et quand tu te connais, tu guéris de tes blessures. C'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir dans le, dans le mariage. Vie. Merci beaucoup, Blandine. Alors, vraiment, c'est la connaissance de soi, savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comme le coach disait. Et en fonction de ça, on fait ses choix. Et même en relation, c'est vite fait. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour vos riches apports. Casimir a été toujours noté par les téléspectateurs pour sa sincérité. Droit dans le mur. Aujourd'hui, les jeunes ont de multiples représentations de l'amour à travers les couples qu'ils voient autour d'eux. Certains ont certes, ils sont un peu ébranlés par tout ce qui se passe, mais la plupart continuent, comme l'a dit le coach Aguindo, de rêver au grand amour avec des idéaux de fidélité et un romantisme très fort. C'est entre ces rêves profondément ancrés en eux et la réalité fragile de ce qu'ils vivent que parents et éducateurs, je précise, comme Casimir l'a dit, devront sans doute aider les jeunes à construire les couples de demain. Merci de nous avoir suivis. Merci à Oswald Pascal Dovi qui m'a assisté aujourd'hui. Merci à notre ami aussi qui nous a rejoint, Edith Akapo. À la prochaine. Le samedi prochain, on se retrouve pour un autre sujet. Au revoir.